première leçon, après cette introduction, la critique des spectacles, avec un sous-titre. Dans l'introduction, vous vous souvenez, on a parlé de ce regard sur les choses qui se scinde entre théorie et théâtre. Et très vite, en fait, il va y avoir concurrence entre les deux. On pourrait dire, chez les Grecs, les deux existent, mais d'emblée, enfin très tôt, les philosophes vont instruire soit un procès du théâtre, soit une relativisation, soit une instrumentalisation morale. Vous voyez, parce que souvent on dit Platon condamne le théâtre, condamne la tragédie, etc., les tragédiens, mais Aristote le valorise dans la poétique. Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas que malgré tout, il lui donne une fonction sociale, morale, qui est la catharsis, vous savez, la purgation des passions. Donc c'est encore une manière de le justifier devant le tribunal de la philosophie, mais c'est la philosophie quand même qui est le tribunal ultime. Et même, vous savez que les catégories théâtrales, vous allez voir chez beaucoup de grands philosophes, si vous prenez la période moderne, cette question est en permanence là, hein, mais Hegel va faire une philosophie dialectique qui est une manière de dramatiser l'histoire du concept. Et il va dire, dans la phénoménologie de l'esprit, il faut que l'ensemble du système soit comme un délire bachique. Quand vous renvoyez à Bacchus ou à Dionysos, vous renvoyez au théâtre toujours d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous voyez que les concepts, les figures de concepts se nient et se redéploient dans une négation d'eux-mêmes, etc. C'est donner un caractère dramatique, finalement, au déploiement de la vie conceptuelle. Et donc, avec Hegel, encore une fois, la philosophie absorbe le théâtre, veut absorber le théâtre. Nietzsche, qu'est-ce qu'il fait quand il critique la philosophie? Eh bien, il emploie aussi le ressort théâtral. Donc, vous voyez, dans l'autre sens, il voit Hegel qui absorbe, vous voyez, la philosophie, qui absorbe le théâtre dans la philosophie, et Nietzsche va critiquer, ou va manifester les limites de la philosophie. Vous savez qu'il va écrire des textes, voilà, sur la naissance de la tragédie, sur cette question du dionysiaque. Je vous dis, on voit au théâtre, je vais revenir là-dessus. Mais si vous voulez, ça sera toujours aussi à partir du ressort des catégories dramatiques. Et Nietzsche va s'opposer à la logique du concept en disant, ben non, il faut plutôt voir la vie comme un drame, comme une aventure, et pas la réduire aux concepts ou aux préceptes moraux. Bon. Chez Freud, vous savez que Freud va reprendre aussi des catégories théâtrales, et notamment il va reprendre la catégorie d'Aristote, vous savez, de la catharsis. Ce que doit produire la tragédie, c'est ce que produit normalement la bonne psychanalyse. Allez. On fait rejouer d'une certaine façon sur le divan la scène traumatique, voyez, qui avait été refoulée. Et à ce moment-là, en s'exprimant, cette scène traumatique, ben voilà, il n'y a plus besoin d'avoir de névrose puisqu'elle a réussi à s'exprimer, on a réussi à la rejouer. Et on éprouve une catharsis, comme quand on voit une tragédie d'après Aristote, qui produit en nous terreur et pitié et qui vient nous purger de nos mauvaises passions. Donc vous voyez que, dès le départ, en réalité, il y a cette situation un peu antagonique de la philosophie et du théâtre, de la théorie et du théâtre. Et c'est ça ce que je voudrais voir, en passant par la critique des spectacles telle qu'on va la voir aussi chez les chrétiens. Tertullien, qui écrira un traité sur les spectacles et qui condamne, bien sûr, alors, les spectacles de gladiateurs, les spectacles sanglants, c'est pas de la simple représentation, là, vous voyez, il y a autre chose derrière le mot spectacle ici. Il y a des choses immorales, mais il va y avoir par exemple les réflexions sur la comédie de Bossuet qui condamne le théâtre. Il va y avoir chez Racine une défense du théâtre dans sa jeunesse contre les jansénistes autour de ce qu'on appelait la querelle des imaginaires. Et puis après sa conversion,
et son jansénisme assumé, voyez, une manière de critiquer fortement le théâtre, jusqu'à ne plus pouvoir écrire de pièces ou n'écrivant plus que des pièces bibliques à valeur pédagogique pour des jeunes filles, voyez, de pensionnats catholiques. C'est-à-dire, qui sont de chefs-d'œuvre, hein, bien sûr, hein, Esther et Athalie. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que aussi dans cette critique du théâtre qui existe dans le milieu chrétien, elle a été en France portée fortement par les jansénistes et aussi par, au fond, ce qu'on appelle l'Église gallicane, donc par Bossuet. Il y a eu des défenseurs du théâtre dans l'Église. Ce sont les jésuites et les oratoriens. Philippe Néri a l'oratoire, vous voyez, qui va vouloir faire ses grands spectacles musicaux, si vous voulez, qui parlent de la foi. Et les jésuites ont pensé que le théâtre était justement un type d'inculturation, si vous voulez, une manière de présenter le mystère à la foi. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus profond, c'est ce que je vous ai dit préalablement, c'est qu'il y a chez Ignace, d'une part, des exercices spirituels où il faut faire des représentations mentales, imaginaires, des scènes bibliques. Donc, vous voyez, il y a un travail de représentation. Et puis, il y a chez Ignace l'image chevaleresque. Donc, vous voyez, le roman de chevalerie qui reste un modèle structurel pour penser la vie chrétienne. Si vous lisez les lettres aux frères de Coimbra, par exemple, hein, il insiste beaucoup sur cette image du chevalier. Lui-même voulait être un chevalier, a été farci de littérature chevaleresque. Puis au siège de Pampelune, vous savez, il a sa jambe qui fait qu'il va devenir un boiteux, hein, et qu'il ne sera plus jamais le chevalier qu'il imagine, mais il va devenir chevalier du Christ. Oui. Donc, l'image reste, voyez, d'une vision théâtrale qui va passer dans le réel, finalement, parce que voilà, c'est la suite du Christ qui nous envoie à tenir le vrai rôle, qui nous fait entrer dans la vraie aventure, qui nous fait aller vraiment sur la scène du monde, etc., qui nous livre au vrai théâtre, comme dit saint Paul. Donc, vous voyez, question extrêmement problématique entre critique, apologie, etc., à l'intérieur du christianisme. Donc, je vais revenir d'abord à la base. Vous savez que le grand lieu du théâtre, c'était chez les Grecs et à Athènes, c'était les Dionysies. Donc, le théâtre, et on peut penser que l'origine du théâtre est une origine, de manière générale, rituelle. Le théâtre ne se dégage pas d'emblée de la religion. Et même chez les Grecs, vous voyez, donc il y avait ce concours des Dionysies, donc c'est une fête en l'honneur de Dionysos, où des personnes viennent présenter des tragédies, enfin une œuvre, c'est pas exactement une Dionysie, c'était trois tragédies et un drame satirique, hein, dans ce qu'on présentait. Donc on va faire trois. C'est un cycle de trois tragédies achevé par ce qu'on pourrait appeler une comédie, d'accord. Et à chaque fois, ces histoires venaient repenser un mythe. On connaissait tous le mythe, tous ceux qui venaient savaient à peu près l'histoire, mais le mythe était analysé différemment. Si vous regardez chez Euripide, vous avez deux Iphigénies, et c'est pas la même lecture d'Iphigénie entre sa pièce Antoride et Aulis. Ouais, Iphigénie à Antoride et Iphigénie à Aulis. Deux lectures complètement différentes de l'histoire d'Iphigénie. Donc, vous savez, ça c'est une chose qui est fondamentale. La religion des Romains n'est pas une orthodoxie. C'est une orthopraxie. Vous faites les rites, c'est faire des choses, vous devez accomplir les rites. Maintenant, quelle est la nature des dieux? Comment il faut interpréter tel ou tel mythe? C'est livré à l'interprétation de chacun. Et c'était un lieu, vous voyez, de redéploiement, d'interprétation, etc., de certains mythes. Mais ultimement, il s'agissait aussi de justifier l'existence d'une grande institution de la cité. Par exemple, la seule tragédie, enfin, la seule cycle tragique qu'on ait conservé dans son ensemble, puisqu'on a perdu, hein, on a que des tragédies séparées de leur trilogie. Mais la seule trilogie qu'on ait conservée, moins le drame satirique, malgré tout, qui devait être un protée,
c'est l'Orestie d'Eschyle. D'accord ? Avec les trois pièces. Alors, c'est quoi ? Culture, culture. Agamemnon, merci, la première. La deuxième ? Alors, les Euménides, c'est la dernière. Donc, les Coéphores et les Euménides. D'accord ? Les Euménides, c'est les bienveillantes. Hein. Jonathan Little, vous savez qu'il y aura eu le prix Goncourt, va écrire un livre qui s'appelle Les Bienveillantes, les Euménides. Et en fait, c'est les Érinies qui deviennent les Euménides. En latin, vous diriez les Furies qui deviennent les Bienveillantes. C'est ça l'histoire de la fin de l'Orestie. Or, à la fin de l'Orestie, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, il faut juger Oreste, et va être créé pour cela le premier tribunal d'Athènes, qui s'appelle... Voilà, l'aréopage, et non pas l'aérophage. Donc l'aréopage, qui est justement ce tribunal... qui est l'institution fondamentale d'Athènes, et vous le savez, puisqu'il va y avoir Socrate devant l'aréopage qui sera condamné à mort, il y aura Saint Paul qui fera son discours des ex-apôtres devant l'aréopage, discours très, très important, vous savez. Bon. Donc c'est la grande institution. Donc vous comprenez que le théâtre était pris dans la vie de la société, il était profondément politique. On n'est pas du tout dans la conception moderne du théâtre, c'est-à-dire d'une société bourgeoise où le théâtre devient le divertissement du bourgeois et la représentation de la vie privée. C'est pas simplement ça. On renvoie à des mythes, mais pour essayer de montrer l'origine de l'institution, et c'est un moment où toute la cité se retrouve, voyez, pour rencontrer, voilà. Donc, pour se rencontrer et pour rencontrer son origine et pour s'affirmer comme cité athénienne. Et donc, c'était lié à un dispositif religieux, puisqu'au terme de cela, il y avait aussi le sacrifice du bouc. Il y a un sacrifice à Dionysos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le mot tragédie, littéralement, veut dire le chant du bouc. C'est lié à ce rituel. Donc le théâtre a une fonction rituelle, le théâtre est pris dans la société, le théâtre est profondément politique dans l'Antiquité, il ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et toutes les revendications gauchistes pour rendre à nouveau le théâtre politique, lieu de la politique, en fait, se prétendent progressistes et démocrates, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais au sens moderne du terme, alors que c'est une attitude profondément réactionnaire, puisque c'est essayer de revenir au théâtre antique. Ce qu'était le théâtre antique, ce qu'était la cité antique, ce que n'est plus la cité contemporaine, malgré tout. Et cependant, on voit que le monde politique vit de représentations, doit vivre de rituels, vivre d'apparats. Et c'est peut-être parce que ce monde est livré à l'anarchie des rituels et de l'apparition qu'il fait problème aujourd'hui. Ouais. On voit les manières dont Emmanuel Macron se met en scène. On le sait très bien, voilà. Mais on sent qu'on est dans quelque chose de faible. Vous voyez ? Qu'il y a un petit côté improvisé... qui relève de l'amateurisme, même de la puérilité. Il y avait vraiment le sens que le théâtre faisait partie de la vie politique. Alors, une fois que je vous dis ça, d'emblée, ça va poser un problème. D'abord parce que le religieux, bien, va être pensé, critiqué par la philosophie, de même que le théâtre. Vous avez une sorte de matrice où tout est confus, et puis l'ordre de l'histoire, c'est que les choses vont se distinguer. Vous voyez, au départ, il n'y a pas à proprement parler de philosophie comme discipline autonome, rationnelle. Il y a une sagesse qui est celle de la religion. Tout d'un coup, la philosophie va prendre son autonomie, et c'est normal, hein, et c'est bien. Il y aura un domaine profane qui va se déployer, si j'ose dire. Et puis, cette philosophie va aussi se retourner contre le théâtre. Alors, le moment originaire de cela, c'est un moment qu'on perd souvent de vue, c'est la vocation de Platon. Cette vocation de Platon, elle est racontée chez Diogène Laërce, vous savez, ce petit livre formidable qui s'appelle « Vie et doctrine des philosophes illustres », que je vous recommande, hein, parce que c'est tous les philosophes de l'Antiquité, mais représentés
voilà, à travers des anecdotes, des histoires. Alors c'est une mine hein, précieuse, parce que c'est par là qu'on sait ce qu'est le cynisme, hein, et ce qu'a été Diogène et Antisthène, son maître, etc. Mais vous avez des histoires sur les philosophes, c'est des biographies. Et alors, le début de la biographie de Platon. Platon commence en étant poète et en allant concourir au Dionysie. Il allait présenter ses tragédies. Et voilà qu'en allant à ces fêtes de Dionysos pour présenter ses tragédies, il croise Socrate. Socrate discute avec lui. Et que va faire Platon ? Il va renoncer à la poésie pour entrer en philosophie. Déjà, situation concurrentielle. Voilà le passage de Diogène Laërce. Platon n'avait pas encore renoncé à la poésie et se disposait même à disputer le prix de la tragédie dans les fêtes de Dionysos. Lorsqu'il entendit Socrate pour la première fois, il brûla aussitôt ses vers en s'écriant « Vulcain, viens ici, Platon implore ton secours ». Et c'est une parodie d'un vers de l'Iliade, en fait. À partir de ce moment, il s'attacha à Socrate. Il avait alors 27 ans. Et c'est vraiment raconté comme une conversion. Et qu'est-ce que va faire Platon ? Ben, d'une certaine façon, c'est très difficile à savoir ce qu'est la pensée de Platon, parce que est-ce que c'est une condamnation de la tragédie au nom de la philosophie, ou est-ce que c'est plutôt d'introduire ce qui va disparaître chez Aristote, hein, la dimension dramatique comme mode de pensée philosophique. Puisque ce qu'on a chez Platon, c'est des œuvres théâtrales finalement. D'ailleurs, on a porté au théâtre des dialogues de Platon. Un de mes maîtres, Jacques Cazot, qui est par ailleurs bibliste, a fait des traductions de Platon en livre de poche, que je vous recommande. Et Jacques Cazot, quand il traduit le Gorgias, notamment le Gorgias, il le découpe en actes et en scènes. Et donc, comme une pièce de théâtre. Alors, ça, ce qui nous pousse à comprendre ce que fait Platon, vous voyez, c'est certains textes de Platon. D'abord, vous savez, dans la République, il y a ce moment où il dit, dans la cité idéale, bon, qu'est-ce que c'est que cette cité idéale, gouvernée par un philosophe? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est un vrai projet politique chez Platon? Certainement pas. C'est une manière de penser. Hein. Mais il dit, on va exclure les poètes parce que les poètes sont des charlatans. Ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce que fait l'homme de théâtre? Il nous propose une représentation de la vie. Alors qu'il n'a rien compris à la vie, qu'il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas l'essence des choses, mais il peint les choses d'après l'apparence. Donc ce que nous propose l'homme de théâtre, c'est une apparence d'apparence. Et si et comme nous allons modeler notre vie par rapport à ce que nous voyons, eh bien, si nous modelons notre vie par rapport à des apparences d'apparence, alors nos vies seront des apparences d'apparence d'apparence. Des ombres. Nous ne serons plus que des ombres. Et de fait, si vous passez votre vie à regarder même des bonnes séries, hein, je ne sais pas, comme Breaking Bad ou je ne sais pas, Desperate Housewives, ouais, mesdemoiselles, voilà votre avenir, femme au foyer désespérée, vous comprenez que malgré tout, qu'est-ce que vous faites? Vous livrez votre compréhension de la vie à des scénaristes américains qui n'ont peut-être aucune sagesse, qui ont sans doute du talent, mais qui n'ont aucune sagesse. Vous comprenez? Donc, plutôt que de suivre comme modèle des apparences d'apparence, il faut remonter des apparences à l'idée des choses et conformer notre vie à ces idées-là. Vous comprenez? C'est ça le mouvement de Platon. Vivre selon le bien, remonter plutôt que d'être dans ce monde d'apparence. Mais curieusement, vous voyez, ça ne veut pas dire que le modèle théâtral disparaît. Ça veut dire que nous devons trouver ce qu'est la vraie scène et ce qu'est le vrai, comment dire,
le vrai rôle, ce qui nous est demandé de jouer réellement. Et ça, c'est le bien qui nous le manifeste. C'est pour ça que vous avez ce passage dans les lois, qui est un passage décisif, qui est très très étonnant. Voilà, c'est l'Athénien qui parle ici et qui répond d'une certaine façon à cette question, à l'objection « Pourquoi est-ce que vous chassez les poètes de la cité ?» Voilà la réponse. Pour les poètes qu'on appelle sérieux, je veux dire nos poètes tragiques, les poètes comiques, on s'en méfie, mais les poètes tragiques, si quelques-uns d'eux se présentaient à nous et nous demandaient « Étrangers, irons-nous ou non nous établir dans votre ville et votre pays » Pourrons-nous y représenter nos pièces ? Quel parti avez-vous pris à cet égard ? Que croyez-vous qu'il fut à propos de répondre à ces personnages divins ? Alors, c'est ironique ici. Ceci, effectivement, si je ne me trompe, ô les meilleurs des étrangers, nous composons nous-mêmes un poème tragique, dans la mesure de nos moyens, à la fois le plus beau et le plus excellent possible. Notre organisation politique elle-même n'est qu'une imitation de la vie la plus belle et la plus excellente. Vous voyez, imitation, mais de la vie telle qu'on la voit du côté du bien, du côté de l'intelligible. Et c'est justement là ce que nous regardons comme la tragédie réelle, la vraie tragédie. Ce grand thème, qu'est-ce que la vraie tragédie ? Dans ces conditions, si vous êtes poète, nous aussi nous le sommes, vos rivaux et vos concurrents, dans la composition du drame le plus magnifique, celui précisément dont seul un code authentique de loi est le metteur en scène naturel, ainsi que nous en avons, nous, l'espérance. Donc, la philosophie, et cette philosophie qui se déploie dans une cité, c'est la vraie tragédie. Ah, c'est curieux de dire ça, hein, parce que la vraie tragédie est la fausse, parce que ceux qui font des tragédies, c'est pas vrai. Et la vraie tragédie, c'est de déployer notre vie comme une vie héroïque. Ah oui, c'est curieux comme mode de pensée, parce que ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une certaine conscience de ce qu'est une tragédie. Donc, faut pas qu'on les rejette complètement. Mais après, à partir de ce que nous a montré le théâtre, quitter le théâtre pour se dire, maintenant, ça se joue dans notre vie. Et le danger de n'être plus qu'une apparence d'apparence d'apparence, le danger de... C'est ce qu'on vous dira, vous ne menez plus qu'une vie par procuration, vous voyez des personnages qui non seulement ne sont pas des images de la vérité, vous voyez, il faudrait une parfaite image de la vérité, mais ce n'est pas les personnages de théâtre qui ont été faits par les élucubrations de l'un ou l'autre, même très talentueux, même génial, mais vous voyez, la vraie image, ça renvoie à la question de qui est notre modèle, bon, c'est une question chrétienne aussi. Mais de l'autre côté aussi, vous risquez d'être un pur spectateur, déjà assis dans des fauteuils, à regarder une vie fictive se dérouler devant vous et d'oublier que vous êtes vous-même pris dans une aventure, vous êtes vous-même pris dans un combat, vous êtes vous-même... Voilà. Et donc, vous voyez, la critique philosophique du théâtre chez Platon, elle est ambivalente. D'un côté, le théâtre nous donne des catégories et un modèle... Mais en même temps, la vraie vie dramatique, c'est celle que nous vivons, et il ne faut pas l'oublier, et c'est la philosophie qui nous permet d'entrer dans la vraie tragédie. Donc ça c'est la position platonicienne, classique, mais déjà, vous voyez apparaître un thème majeur, c'est-à-dire le danger de s'égarer dans des fictions pauvres, d'accorder nos vies à des ombres. Oui. Et c'est ça toujours qui va être derrière la critique du théâtre, finalement. Au lieu de vivre, tu regardes la vie de personnages sur ton écran de télévision. Ou alors, tu veux vivre comme tel personnage qui ne... Voilà, et tu tombes dans quoi ? Ben, le bovarisme. Le génie de ce chef-d'œuvre, je vous en ai déjà parlé, je pense, enfin, absolu, qu'est Madame Bovary de Flaubert, c'est vraiment une œuvre qui essaye de s'interroger sur le rapport
entre la vie quotidienne et la fiction. Bovary, Emma, si vous voulez, elle est d'abord nourrie de grandes fictions romantiques, amoureuses. Et quand elle voit ce qu'est la vie quotidienne avec Charles, qui est un brave type, hein, en plus, il mec bien, quoi, en fait, Charles. Bon, il n'y a rien à dire, il est ordinaire, c'est tout, mais il est très bien. D'ailleurs, c'est pas lui, c'est Homais qui va l'entraîner dans cette opération foireuse. Il est souvent, ouais, c'est la bonne poire, quoi, Charles. Et Emma, elle passe toujours à côté de tout. Alors, autour d'elle, il n'y a que des personnages abjects, l'abbé Bournisien, terrible, donc le pharmacien Homais, etc., bon. Toutes ces influences troubles qu'il y a autour. Le grand problème de Madame Bovary, c'est un problème qui est aussi posé par, dans ce très très beau film que je vous recommande, qui s'appelle Le Paradis d'Alain Cavalier. Nous sommes nourris de mythes, nous sommes nourris de légendes, nous sommes nourris de grandes histoires. Cyrano de Bergerac, pour prendre la figure qui plaît à Clément spécialement. Ah oui, Cyrano de Bergerac. Mais il connaît l'histoire de Cyrano de Bergerac, il est fasciné par cette figure-là. Maintenant, on lui a expliqué, Clément, tu vas devenir un comptable. Bon, alors il se dit, mais merde, je voulais être Cyrano de Bergerac. Donc il va se retrouver... dans son bureau d'expert comptable, comme disait Jean Anouilh, un comptable c'est un con avec une table, et il va se sentir très con et il va dire non, faut que je fasse autre chose, vous voyez, c'est pas possible. Il se sent à l'étroit, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir dans la rue, il va faire la tirade de Cyrano, il va partir dans les forêts de Sibérie. Bon, bref, on va l'enfermer à l'asile où il va devenir une sorte de mec. Bon, et donc, vous voyez, ce problème, c'est comment cet imaginaire vient déformer notre existence. C'est ça le gros problème. De telle sorte que, à force de nous nourrir de littérature, nous devenons inaptes à la vie quotidienne. Sauf quand apparaît, eh bien voilà, cette grande littérature, Madame Bovary. Madame Bovary nous dit, regardez ce danger, ne passez pas à côté de ce qui vous est donné. Parce que je pense hein, que Madame Bovary n'est pas une œuvre cynique, purement ironique. Ce sera le cas de Bouvard et Pécuchet à toute fin de la vie. C'est pour ça que Flaubert va crever d'ironie. Et il ne pourra même pas achever cette œuvre. Mais voilà, ce n'est pas complètement ironique. D'ailleurs, on le verra, Un cœur simple, ce n'est pas ironique non plus. Et vraiment, tout d'un coup, cette vie des pauvres gens, qui est toujours à l'arrière-plan, des pauvres femmes normandes qui ont travaillé 50 ans dans une ferme. Et il a le sens, il y a vraiment une compassion qui émerge chez Flaubert, voilà, qui est pas simplement ce génie de l'ironie, de la description du réel, et avec des personnages qui ne cessent de parler à travers des lieux communs, etc. Bon, c'est pas que ça, Flaubert, il ne faut jamais oublier. Donc, c'est un problème, et c'est ce problème-là qui sera sans cesse mis en évidence par les hommes d'église. Vous êtes complètement capté par un monde qui n'existe pas. Revenez au monde réel, etc. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que, en tant qu'être humain, nous cessons de faire des allers-retours entre la fiction et le réel. C'est le propre de l'humain. Vous ne pouvez pas non plus dire, il faut revenir au réel, alors vous allez dire, bah, alors il faut la vraie fiction, ou le mythe devenu réalité, l'évangile. Et ça va être la seule chose que vous pourrez, voilà. C'est ça, le puritanisme janséniste, antithéâtral, va être là. Mais, en réalité, la critique porte. Mais la critique, c'est pas de nous faire abandonner le théâtre, c'est de faire un théâtre qui nous rappelle que ça n'est que du théâtre et qui nous renvoie à notre vie. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Pour ça, d'ailleurs, que souvent, les hommes de théâtre préfèrent les jansénistes aux jésuites. C'est curieux, dans toute la tradition française, vous verrez plein de cinématographes, je pense à Eugène Green ou à Alain Cavalier, qui diront, mais en fait, ceux qui avaient raison, c'était les jansénistes. Mais attends, mon gars, tu fais du cinéma, ce que tu racontes. Oui, mais ils font du grand cinéma, parce qu'ils font un cinéma qui dit, ne vous laisse, le cinéma lui-même, leur cinéma dit, ne vous laissez pas piéger par les images. Vous avez aussi une mission, c'est laquelle?
Regardez ce petit film, Le Paradis d'Alain Cavalier. Et si vous n'avez qu'un seul film à voir, bien sûr, d'Alain Cavalier, voyez son film sur Thérèse de Lisieux, enfin Thérèse, qui est un des plus beaux films français, bien sûr, qui avait eu, je crois, la Palme d'Or à Cannes. Si vous n'avez pas vu Thérèse, voyez ce film, c'est un petit film vraiment magnifique. Alors, chez Augustin, chez Saint-Augustin, il va y avoir une critique du théâtre très, très célèbre. C'est pas exactement le même problème que souligne Saint-Augustin dans les Confessions. C'est le fait que le théâtre, les spectacles, confisquent nos capacités de compassion. Ouais, il voit le théâtre comme un hold-up sur la compassion. Je vous lis ce passage du troisième livre, chapitre 3 des Confessions de Saint-Augustin. « J'avais une passion violente pour les spectacles du théâtre, qui était plein des images de mes misères et des flammes amoureuses qui entretenaient le feu qui me dévorait. » Alors bien sûr, je vois ces histoires romantiques, etc., et ça ne fait qu'entretenir, voyez, cette illusion romantique en moi. Voilà. Mais quel est ce motif qui fait que les hommes y courent avec tant d'ardeur et qu'ils veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et tragiques qu'ils ne voudraient pas néanmoins souffrir? Le grand problème, c'est que de ce qui est tristesse, de ce qui est tragique, nous tirons une jouissance quand c'est représenté dans un spectacle. Vous voyez ? Est-ce que tu as vu Shoah ? Est-ce que tu as vu la liste de Schindler ? Ouais, c'est trop bien. Donc vous regardez des témoignages terribles des chambres à gaz, mais vous êtes dans un fauteuil et vous jouissez. Ben oui, c'est ça le fait. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Bon, voilà ce que dit Saint-Augustin. Et plus c'est terrible le témoignage, plus vous jouissez. Le mec, il a traversé des trucs terribles. Non, mais vous êtes comme c'est dans le cinéma, c'est dans une représentation. Même. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Augustin est quand même inquiet sur notre santé mentale. Et voilà la suite. Hein. D'où vient cela, sinon d'une étrange maladie d'esprit? On veut ressentir de la douleur et cette douleur nous fait plaisir. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Étrange maladie d'esprit. Puisqu'on est d'autant plus touché de ses aventures poétiques que l'on est moins guéri de ses passions, quoique d'ailleurs on appelle misère le mal que l'on souffre en sa personne et miséricorde la compassion qu'on a des malheurs des autres. Et c'est là que le thème de la compassion apparaît. Mais quelle compassion peut-on avoir en des choses feintes et représentées sur un théâtre, puisque l'on n'y excite pas l'auditeur à secourir les faibles et les opprimés, mais qu'on le convie seulement à s'affliger de leur infortune. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est quel est le ressort, malgré tout, de ce plaisir? C'est la compassion. Je vois quelqu'un souffrir, vous voyez, j'entre en résonance avec lui, mais au lieu d'être dans une résonance active, parce que vous avez remarqué, je ne monte pas sur la scène pour essayer de consoler Andromaque, hein. Enfin, si vous faites ça, vous avez... Non, parce qu'on excite votre compassion, mais cette compassion doit se résoudre non pas dans l'action, dans l'œuvre miséricordieuse, mais dans une jouissance de spectateur. Alors, cette affirmation, vous savez bien qu'Aristote dit, oui, c'est vrai, on ressent terreur et pitié, et quand la vraie terreur, elle nous ferait sortir du théâtre. La vraie pitié, elle nous ferait monter sur la scène. Mais dès que c'est une terreur et une pitié représentées, alors nous sommes en position de contemplation et nous prenons plaisir à l'imitation des choses terribles, à l'imitation des choses pitoyables. Et ça n'est pas à condamner, c'est pas une maladie de l'esprit, c'est un remède. Parce qu'en voyant cela, nous sommes purgés de ces passions, nous mettons à connaître des situations terribles et peut-être que ça va nous induire à l'action.
Ouais, ça, c'est la justification du théâtre. Par Aristote et par les jésuites, finalement. Donc, vous voyez, Augustin est dans la tradition plutôt platonicienne et les jésuites seront dans la tradition plutôt aristotélicienne. Mais vous comprenez que, malgré tout, c'est ça la grande question. Donc, compassion qui, au lieu de se déployer dans une vie de charité, se déploie dans une jouissance spectaculaire. Vous voyez ? C'est ça la critique d'Augustin. Et donc la grande question, c'est comment, quand vous faites du théâtre, casser cette simple jouissance du spectateur et faire en sorte qu'il parte. Vous voyez ? Et c'était la grande question de Bertolt Brecht. Quand Brecht réfléchit sur le théâtre, il dit qu'il faut que l'effet de distanciation, c'est celui-là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de s'identifier au personnage et d'être dans la jouissance spectaculaire. Il s'agit de dire, regarde, c'est une représentation critique de ton monde. Désormais, quand tu reviens dans le monde, va faire la révolution. Plutôt communiste, hein, pour Brecht. Mais vous voyez, c'est-à-dire que ces critiques ont été prises en compte par les grands hommes de théâtre. Quoi qu'il en soit. Et c'est un vrai problème. Donc il ne faut pas croire à l'Église condamner les spectacles, etc. Non, les grands ont toujours assumé cette critique. Parce que c'est un problème interne que le bon sens nous fait reconnaître. Alors vous avez d'autres critiques. Je pense à celle, de Léon Blois, qui explique que le... Alors là, c'est vu du côté du comédien. Être comédien, c'est pire que la sodomie passive. Voilà, je regarde les... Ça, c'est dans Le Désespéré. Voilà, spéciale dédicace pour tous ceux qui veulent faire du théâtre. Quand j'ai rencontré ma femme, qui était comédienne, je lui ai lu ce passage de Léon Blois pour voir si elle allait résister à ma fréquentation constante. Insupportable. Je regarde l'état de comédien comme la honte des hontes. Et je disais ça à ma femme qui était comédienne. Je lisais beaucoup Léon Blois à l'époque, c'était mon maître. Hein. J'ai là-dessus les idées les plus centenaires et les plus absolues. La vocation du théâtre est, à mes yeux, la plus basse des misères de ce monde abject. Et la sodomie passive est, je crois, un peu moins infâme. Le bardache, c'est l'expression argotique pour parler du sodomite passif. Le bardache, même vénal, est du moins forcé de restreindre chaque fois son stupre, à la cohabitation d'un seul, et peut garder encore, au fond de son ignominie effroyable, la liberté d'un certain choix. Le comédien s'abandonne, sans choix, à la multitude. Et son industrie n'est pas moins ignoble, puisque c'est son corps qui est l'instrument du plaisir donné par son art. L'opprobre de la scène est, pour la femme, infiniment moindre, puisqu'il est, pour elle, en harmonie avec le mystère de la prostitution. Vous voyez, ça c'est... Quand une femme est comédienne, c'est moins grave que pour un homme, parce que la femme, d'une certaine façon, a toujours un petit côté... Enfin, elle est liée au mystère de la prostitution. Ça, c'est une grande... Vous savez que ces passages de Blois qui ont l'air d'être scandaleux et dont vous pourriez faire une lecture simplement zémourienne, pour ainsi dire, c'est-à-dire une lecture faible, c'est pas ça. Hein. Derrière la notion de mystère de la prostitution, chez Blois, il y a aussi la question de l'Esprit Saint. Vous savez, la thèse de Léon Blois, c'est que l'Esprit Saint se donne à tous aussi et se prostitue. Donc en fait, la pensée de Blois est beaucoup plus complexe qu'une lecture superficielle. Mais enfin, voilà... là encore, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à paraître, vous livrez votre corps à tous, et c'est comme une prostitution. Oui. Donc, vous n'avez pas réussi à savoir ce que vous étiez, vous n'avez pas trouvé de rôle dans la vie, donc vous jouez tous les rôles, vous restez dans l'informe, vous vous livrez à tous, vous n'êtes pas capable d'une fidélité à un seul. C'est une vraie question, hein. Vous savez, quand vous avez une femme qui est comédienne... ou actrice et qui doit simuler des roulages de patins avec des acteurs, vous voyez, vous êtes Fabrice Hadjadj, moyen, si vous voulez, enfin du point de vue de la beauté physique, c'est ça ce que je veux dire. Et,
Et de l'autre côté, voilà que votre femme roule des pelles à un acteur, vous voyez, George Clooney ou, je ne sais pas, Ryan Gosling. Et là, vous êtes un peu mal quand même. Mais en plus, s'il n'y avait que Ryan Gosling. Mais non, ils sont pleins, en fait. Il y en a plusieurs sur la liste. Et puis, un coup, votre femme est ceci, un coup, elle est cela. Enfin, on sait, vous ne savez plus, quoi. Bref, où est... Vous voyez, en gros, le comédien n'est pas monogame, quoi. Il a quelque chose de dispersion de son être et d'infidélité permanente. Donc, voilà la grande critique. Aliénation du spectateur, prostitution du comédien. Voilà, c'est ça l'enjeu. Aliénation du spectateur, prostitution du comédien. Voilà la grande critique. Mais d'une certaine façon, ces critiques-là sont des critiques qui sont vraies. Mais ça veut dire qu'il faudra être comédien autrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la comédie, vous voyez, et qu'il faudra faire du spectacle de telle sorte qu'on conjure sans cesse la tentation de la fascination et de l'aliénation. Donc c'est ça l'enjeu, bien sûr, principal. Alors, cette critique s'est tout d'un coup effondrée, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il y a eu un retournement complet de la nature du théâtre à cause de l'histoire de la technologie. Parce qu'à partir du moment où va apparaître le cinéma, eh bien, ce qu'est le théâtre va changer de sens. Tout d'un coup, vous voyez, le théâtre, quand il n'y avait pas le cinéma, était du côté de la fiction, du côté de l'imaginaire, du côté peut-être de l'évasion, de la fuite par rapport au réel. Mais à partir du moment où apparaît le cinéma, à partir du moment où apparaît la télévision, à partir du moment où nous sommes chacun devant nos petits écrans personnels, avec nos petites fictions personnelles, le théâtre devient un lieu réel, où il y a une présence réelle du comédien, où des gens se retrouvent réellement autour d'une scène et où l'on fait une véritable expérience communautaire. Donc vous voyez que, à cause de l'apparition, de la multiplication des fictions cinématographiques puis numériques, des images, de ces visuels, des écrans, eh bien on va dire, mais regardez, le théâtre c'est sans écran au moins. Regardez, il y a vraiment des personnes qui sont là. Regardez, le théâtre... Vous êtes face à un comédien dans un temps donné, il est là, c'est un mortel qui s'adresse à d'autres mortels, qui vous rappelle d'ailleurs votre condition mortelle. Ce n'est pas un enregistrement, ça va disparaître. C'est la vie. Et donc vous voyez, on passe, c'est pour ça qu'on passe des prestiges de l'illusion à tout d'un coup l'art de la présence réelle. Et c'est ça ce qu'on va souligner. Vous avez un texte formidable d'Olivier Py qui a dirigé le théâtre de l'Odéon et qui a été encore cette année le directeur du non-festival d'Avignon puisqu'il n'a pas eu lieu. Et Olivier Py dit la chose suivante dans une intervention qu'il a eue au TNP de Villeurbanne en 2009. Très très beau texte, La parole comme présence à soi et au monde, qui dit des choses très profondes sur le théâtre. Voilà ce qu'il écrit, hein. C'est-à-dire qu'autrefois, le théâtre était comparé à la vie réelle. Mais maintenant qu'il y a le virtuel, et que vous comparez le théâtre au virtuel, à ce moment-là, il passe du côté de la vie et il passe du côté de la présence. Donc il y a eu une transformation complète. Le virtuel s'essaye depuis toujours à la reproduction de la nature. Mais c'est la génération qui vient qui, pour la première fois dans l'humanité, va opposer non plus le réel à l'irréel, mais le réel au virtuel, et qui trouve moyen de vivre toute la vie, de fonder tout l'espoir de vie dans une réalité virtuelle. Réalité virtuelle, oxymore rendu possible par la nanotechnologie, et très vite par un outillage du corps qui rend la subjectivité elle-même empreinte de virtualité. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment de sujet. Il y a assujettissement à son propre rêve, le néant s'abouche sans angoisse à la perception du monde. C'est par le vide qu'advient la jouissance, l'apesanteur virtuelle se donne immédiatement comme réponse unique, incontestable, totalitaire. Nul ne peut y résister, et le moraliste qui vous parle tente seulement de diminuer les doses,
afin de ne pas connaître le basculement dans la négation. Donc il dit lui-même qu'il a une addiction. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'homme de théâtre devient le moraliste. Voilà le retournement, parce que normalement, le moraliste critiquait le théâtre. Voilà que maintenant, c'est l'homme de théâtre qui devient le moraliste parce que nous sommes face à cette invasion du virtuel et que lui est du côté du spectacle vivant. Dès lors, pour cette génération, le théâtre n'est plus le synonyme du factice. Voilà. Pour cette génération, celle du virtuel, le théâtre n'est plus le synonyme du factice, mais à l'opposé de la présence réelle. Incroyable retournement symbolique. C'est l'objet le plus paradigmatique du factice qui devient l'asile de la perception du réel. Le théâtre, qui était vraiment l'exemple du factice, devient l'asile de la perception du réel. On va au théâtre, non plus pour voir le faux travailler notre imaginaire, mais pour voir une réelle présence déjouer les enivrements virtuels. C'est très drôle parce qu'on va au théâtre non plus pour voir le faux travailler notre imaginaire. Le plus grand comédien, acteur d'Olivier Py s'appelle Michel Faux. Donc chez lui, on va toujours voir le faux. Parce qu'il y a un comédien admirable chez Py, c'est Michel Faux. Vous avez peut-être entendu parler, enfin vous avez peut-être vu au cinéma, parce qu'il est maintenant assez connu. Mais alors Faux, F-A-U, j'en reparlerai. Oui, donc on va voir la réelle présence de Faux, de Michel Faux, déjouer les enivrements virtuels. On va au théâtre pour se rappeler qu'on peut vivre sans écran. On va au théâtre pour être au théâtre et non plus devant un écran. On est au théâtre pour sortir de l'isolement, non plus pour s'y isoler du monde comme le faisait Baudelaire. Et à l'époque de Baudelaire, on se séparait du monde pour être dans la salle de théâtre, même si Baudelaire critique aussi le théâtre, hein, je vous le rappelle, il disait ce qu'il y a de plus beau au théâtre, c'est le lustre. C'est le théâtre à l'imaginaire avec ses lustres. Bon. Donc il y a aussi une moquerie de Baudelaire de côté du théâtre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout d'un coup, le théâtre a changé de signe. Il y a eu ce retournement symbolique. Et si nous faisons du théâtre à Philanthropos, c'est précisément parce que c'est un lieu d'incarnation de la parole, de présence réelle, d'expérience communautaire. Et donc tout d'un coup, on se dit, mais c'est incroyable, en fait, c'est très très humain. Pour une génération de millennials voués à des écrans individuels, ça devient le lieu de la redécouverte du réel, de la redécouverte du corps, de la redécouverte de la parole assumée dans une voix. Vous voyez ? C'est donc un retournement complet qui s'est opéré. Et c'est pour cela que même s'il y a des choses tout à fait valides dans cette critique, le lieu du théâtre s'est déplacé par rapport au virtuel et devient le lieu d'une présence réelle, d'une communauté réelle. C'est pour ça qu'il y a une importance du théâtre aujourd'hui comme lieu de résistance au virtuel. C'est ça qui est la nouveauté. Enfin, et ça j'y reviendrai, mais je dois m'arrêter ici, il y a en plus, et ça c'est le deuxième point, un lien profond entre la révélation chrétienne et le théâtre. Et c'est là où il y a un problème dans la critique des spectacles. La critique des spectacles était valable, mais si elle devait nous faire abandonner complètement les catégories théâtrales et le théâtre comme tel, ce serait une catastrophe. Parce que vous voyez bien, même chez Platon, il y a référence à la tragédie pour dire « mais regardez, c'est la vraie tragédie ». Donc il faut qu'il y ait des tragédies pour qu'après nous puissions vivre la vraie tragédie. C'est ce que je vous disais à la première séance. Vous voyez ce rapport entre la fiction, la narration et qui après vient structurer notre vie. Or, vous avez un très beau texte de Paul Claudel où il montre que la vie chrétienne se présente comme un drame. Et que justement rien n'est plus dramatique que la vie chrétienne, donc il y a un lien intime entre le théâtre et la foi. Mais vous avez aussi un théologien, il faut le nommer, je ne sais pas si j'ai déjà écrit son nom au tableau, mais un jour à Philanthropos on aura le temps travailler sur l'œuvre
de Hans Urs von Balthasar. Vous en avez déjà entendu parler, je pense. Donc, théologien suisse, balois. Vous savez que vous êtes en Suisse, mais mystérieusement, les plus grands théologiens du XXe siècle sont suisses. Karl Barth, pour les protestants, et puis pour les catholiques, ben, Charles Journet, qui était ici même. Mais Balthasar, Hans Urs von Balthasar. Et Hans Urs von Balthasar va avoir une œuvre extraordinaire qui s'intitule « Théodramatique » en allemand, donc avec un K à la fin. En français, ça s'intitule « La dramatique divine ». J'ai demandé à ce qu'il soit en accès libre à la bibliothèque, cet ouvrage. Donc c'est 5 volumes, je crois, « La dramatique divine ». Avant, il a fait « La gloire et la croix », enfin « Herrlichkeit », puis « La dramatique divine », puis après, il aura « La théologique ». Donc c'est une œuvre énorme, hein. Ce sont des milliers et des milliers de pages, hein. C'est une trilogie. Mais « La dramatique divine » part en fait du fait que, enfin, part de l'idée que l'évangile se présente comme un drame. Et d'ailleurs, la narration du Vendredi Saint, vous voyez, quand on fait la lecture de la Passion, c'est une dramaturgie. Voir, hein, le dimanche des Rameaux et le Vendredi Saint que nous allons vivre ensemble, vous allez traverser cette dramaturgie-là. Et donc, il montre que il se pourrait bien que pour approcher le mystère de la rédemption, les catégories théâtrales nous aident davantage que les catégories philosophiques. Et donc, il va faire toute une théologie qui va s'appuyer sur les catégories théâtrales. C'est quand même très impressionnant. Alors, les prolégomènes de la dramatique divine, c'est vraiment une lecture attentive du théâtre, mais alors pas seulement Claudel, hein, c'est le traducteur du Soulier de Satin en allemand, hein, Hans Urs von Balthasar, donc. Il a traduit Claudel. Il connaît Claudel. Il a fait aussi un très beau livre sur Bernanos, le grand essai sur Bernanos, qui s'appelle « Le chrétien Bernanos », œuvre de Balthasar. Un homme qui a une connaissance littéraire extraordinaire, outre sa connaissance théologique, et qui va donc dégager, même en lisant le théâtre de Ionesco, en lisant des catégories théâtrales, et va montrer que ces catégories théâtrales nous permettent d'entrer dans le mystère du Christ, parce que la révélation... c'est pas une sagesse philosophique, c'est pas une théorie, c'est un drame. C'est un drame, c'est l'histoire sainte. C'est la grande scène du Golgotha. Vous comprenez? Et donc, perdre le rapport au théâtre, c'est risquer de réduire la révélation chrétienne à une théorie, à une morale, à un système... et oublier de voir que c'est d'abord un drame. Et que nous entrons, par notre vie, dans le drame de l'amour divin. Voilà, on s'arrête ici.